tu as donc été condamné à la section d'épreuve et tu débarques à Corté. Ouais. On ne sait pas encore ce qui t'attend, mais comme tous les légionnaires, tu as entendu qu'il y avait un camp de discipline là. Voilà. Quand tu débarques sur le fameux chemin de croix, que se passe-t-il? Ah ben, il faut descendre dans la jeep. On était deux, moi et Granet, Crasset, dans le bouquin. Et moi j'avais le sac à dos de commande normal, plus le commande. Le sac marin. Et non seulement ça, mais j'avais une petite valise, je ne sais pas pourquoi je l'avais conservée. Et ils m'ont donné en charge le deuxième sac marin de commande de Granet. Ouais. Parce que lui, il fallait qu'il soit mis de côté parce que c'était un petit mignon. D'accord. Bah, on va en parler de ça tout à l'heure. Hein. Alors, sur ce chemin de croix, tu rentres, tu t'abîmes, tu te fais mal et tu es tabassé. Ça a commencé à peine le virage passé. Là, c'était le début du c'était le début d'un vrai calvaire. Les pompes, c'est les coups de pied parce que tu allais pas assez vite ou tu rampais mal ou enfin il te faisait des puis on t'insultait. Qu'est-ce qui se passe au niveau du passage à Passage à niveau, voie ferrée. Alors le passage à niveau, c'était le moment de repos, comme il appelait. Vous allez vous reposer. Et nous, on entendait quand le train y arrivait. Au fur et à mesure qu'on attendait le train, on demandait s'il allait nous laisser sur la voie ferrée ou nous faire lever. C'est un peu psychologique. Oui, c'est pour faire une peur, créer la peur à la personne. Alors après, tu continues et tu arrives enfin au camp. Oui. C'était l'entrée principale. L'entrée centrale, c'est l'entrée principale, à côté du poste de garde. Là où il y avait le mât des couleurs, notamment. Voilà. Comment es-tu accueilli par les officiers? Par l'officier qui commande la section? Ah ben... Là, tu viens ici, tu fais ce qu'on te dit, tu fermes ta gueule, tu exécutes tous les ordres, quels qu'ils soient, et tu respectes le protocole qui est à l'intérieur. Donc, j'ai été condamné à 6 mois de section d'épreuve au domaine Saint-Jean, à Corté. La section d'épreuve venait d'ouvrir quand je suis arrivé. J'étais parmi les premiers disciplinaires sur place, au domaine Saint-Jean, qui était commandé par un adjudant-chef S. Il y avait deux baraques philo, plus la baraque philo de commandement. Et nous, les douches, c'était une 10 août qui était installée. Alors, en arrivant, tu allais, à l'époque de Daniel, ça s'appelait la baraque répression, et là, il disait que tu en avais pour 3 mois où vraiment tu cassais du caillou tous les jours. Tous les jours. Par contre, il y avait la masse. La Johnny. Peux-tu nous citer quelques particularités? Alors, la particularité de la Johnny, c'était un manche en tuyau de plomberie. Plomberie, ça doit être du 25 mm, ouais. Ou plus.
avec des soudures tous les 30 cm pour éviter de faire glisser le manche. Donc il fallait que tu le serres directement dans tes mains et éviter de le faire glisser. Et trois quarts du temps, 95% des personnes ont eu l'intérieur des mains. Moi je l'ai eu aussi, mais j'ai dû continuer. Il y a des personnes qui sont parties directement à l'hôpital à Véran. Son manche était fabriqué, composé plutôt de 30 morceaux, enfin de morceaux de 30 cm de tube métallique, avec un légère de ronde de soudure, assez pour que nous arrachions la peau de la main. Alors la masse, la Johnny, qui était équipée d'un tube en ferraille soudé à plusieurs endroits, où on devait taper sur des bières sans arrêt, pendant des fois des journées entières. Donc tes collègues nous ont dit, tes anciens co-détenus, nous ont dit que les journées de travaux étaient de 10 heures et plus par jour. Ah oui, oui, beaucoup. Si tu tombais sur le bon gardien, tes 10 heures, tu les faisais. Si tu tombais sur le mauvais gardien, tu faisais beaucoup plus. D'accord. Tu faisais des heures supplémentaires. Déjà, quand je suis arrivé à la SE, j'ai été condamné à 6 mois de cellule avec 10 cm d'eau. 6 jours. Avec 10 cm d'eau dans la cellule. Ensuite, dès que je suis rentré de la cellule, je vidais les latrines en slip avec une paire de menottes attachées à un bidon ferraille où je devais courir pour aller le vider dans le jardin. Tous les excréments me retombaient dessus. Ensuite, j'ai eu droit aussi à la pelote. Alors la pelote, c'était un sac avec du fil de fer sur les épaules. Et on faisait la pelote pendant 2 heures, 1 heure, 2 heures. La pelote à l'extérieur et à l'intérieur. Alors à l'extérieur, c'était les pompes. On mettait déjà les pieds sur le petit muret qui était en face de le bureau du commandement. C'était un muret de 50 cm à peu près, 50 à 60 cm, les pieds dessus, et toi tu faisais les pompes. Au lieu de faire des pompes normales, oui. T'en faisais 50, mais c'est 50 à 15%. Alors, les travaux pour les poulies qui sont là-bas, c'est le suivant. Quand on arrive, nous avons, selon le temps de punition, pour moi c'était 2 mois. Donc moi, pourquoi? Parce que comme j'étais connu 3 et 3, ça fait 6. Donc c'est l'équivalent de 1 mois par rapport à 3 mois. Et ce qu'on appelle les frigidaires, c'est 2 cellules d'un mètre par mètre. Quand nous arrivons à trop forcer, c'est l'endroit où c'est qu'on va dormir en premier temps. Voilà. Ça fait que cette cellule est composée donc d'un mètre sur un mètre, comme je viens de dire, mais remplie d'eau. Et du fait que nous avons plus de peau, il n'y a pas que moi qui ai eu ça, tous ceux qui ont eu la journée dans les mains, on rentre là-dedans, on était obligé, voilà. Et avec mes excréments, j'étais obligé de graisser ma paume des mains, elles ont venu le lendemain matin. Et donc, à partir de ce moment-là, vous savez, c'était tout le monde qu'on passait par. Et puis, pour se laver, à ce moment-là, et ils disaient, vous puez. Donc, avec la incendie, vous lavez. Voilà, nous, on s'occupait ensuite de nettoyer les cellules et ensuite on allait prendre le petit déjeuner, enfin le café. Quand tu arrives à la section d'épreuve, tu as droit à une semaine de cachot d'emblée, je crois, ou même plus. Moi, le frigidaire. Le frigidaire. Le frigidaire. Le frigidaire, tout le monde, pratiquement tout le monde y fait son séjour dedans, au départ. Ouais. Moi, je l'ai fait, c'était en période hivernale. Alors, le froid qu'il y avait dedans, c'était incroyable. Mais il n'y avait pas la flotte. La flotte, elle est venue après.
quand moi j'ai commencé à faire ces désertions à l'intérieur de à l'infirmerie et à l'intérieur du camp. Joachim, lui, il y avait un agglo de vin qui bouchait devant et il leur mettait... Ils ont modernisé, alors. Ils ont modernisé. Avant, comme au départ, c'était directement le seau d'eau foutu par terre et puis le lendemain matin, tu te réveillais avec de la glace. Et à l'époque de Daniel, ils n'existaient pas à ces frigidaires. Non. Ils étaient dans les cachots, en dessous de la popote, ouais. On leur balançait de l'eau aussi. Là. OK. Est-ce que les douches étaient froides? Est-ce qu'elles étaient au coup de sifflet? Ben, c'était... T'avais combien? T'avais... 1 minute pour te laver. C'était pas du coup de sifflet, c'était... Vous faites votre douche, l'eau chaude elle arrive, si elle arrive pas, ben vous lavez quand même. Bon, ben, trois quarts du temps c'était froid. Hein. Trois quarts du temps, et en hiver ça fait froid. Hein. Ouais. Et puis tu te lavais que succinctement. Quand on dit le mot douche, c'est quand même grand, c'est que voilà. En gros, le bon vouloir des cadres, au lieu de régler mitigeur, etc., pour avoir une eau assez douce, quoi. Et nous envoyer de l'eau bouillante, donc possible de se... Et puis, au coup de sifflet, nous mettait un coup de l'eau froide, et puis ça y est, la bouche était finie. Le grand 8, c'était quoi? Grand 8, et le blocage de genoux. Alors, qu'est-ce qui se passait? Alors, le grand 8, il fallait faire, je me souviens plus combien de tours, par heure, parce que c'est quand c'était par heure, il fallait respecter la cadence des tours. Si on le faisait pas, si tu étais tout seul, tu pouvais le faire. Mais si tu étais 3, 4 attachés l'un derrière l'autre avec la main sur l'épaule, ouais. C'était impossible de faire. Et tu tournais toujours du même sens. C'est-à-dire que tu avais toujours un côté qui forçait que l'autre, plus que l'autre. Et moi, au bout d'une semaine, voire peut-être un peu plus, mon genou s'est bloqué et je me suis retrouvé à l'infirmerie. Les nuits, on avait le droit à la corrida. Les cadres rentraient, forcément, ils avaient tous bien bu. Et ils enlevaient tous nos lits. Et c'était duré toute la nuit. Et de temps en temps, quand ça les reprenait, ils nous faisaient prendre une douche en pleine nuit. La corrida, ça se passe dans les chambres. Alors, c'est un bon vouloir, on prend une foi de ce monsieur-là. Ça, c'est toujours la cause de l'alcool. Ils en ont envie. Ils n'ont pas envie de dormir, alors. Ils n'ont pas mettre... tous les lits au milieu de le dortoir, couverture, tout ce qui suit. Et à partir de ce moment-là, il faudrait tout arranger, je dis bien tout arranger, dans le noir absolu, sans aucun bruit. On nous a parlé de la colline. La colline, alors la colline, c'est quand nous, on déblayait une partie de du camp, les gamates, parce que c'était comment, des sauts de peinture. Alors là, les sauts de peinture, tu en avais différentes tailles. Tu avais 5 kg, 10 kg, 20 kg et 30 kg. C'est des gros bidons de peinture. Et ça, il fallait le mettre sur un endroit, c'est qu'il y avait, au départ, il n'y avait rien du tout. Et petit peu à petit peu, ça formait une colline. Ouais. Et il fallait monter en haut, la déverser, et redescendre, monter, redescendre. C'est-à-dire, on faisait que ça, toute la journée. Et comment t'avais les personnes qui étaient à la masse. Alors la colline, moi je l'ai faite aussi également, comme tous les disciplinaires. Donc on prenait des cailloux, on remontait des cailloux, on allait mettre des cailloux à côté, sans arrêt. On nous a parlé également du tombeau. Alors à la Légion, on connaît le tombeau. Hein. Le tombeau, bah, tu creuses ton trou dans la terre, s'il y en a, hein. S'il n'y en a pas, ben, tu te démerdes. C'est directement dans la pierre, dans la roche. Hein. D'accord. C'est pas évident de faire. Hein. C'est pas évident. Personne n'a jamais fait quoi totalement. Hein. Ou alors, le trou, c'est... Il était déjà fait, ce trou, parce qu'il était embouché
pour le faire, et voilà. Quand ils avaient envie de faire quelque chose, bon, on faisait creuser cette trou, une fois qu'elle était creusée, d'environ 1,50 m, voire même un peu, je ne me souviens plus. Et de ce fait, une fois qu'il était fini, ben, ils urinaient, ou ils disaient, on purge notre bière. Est-ce que tu peux nous parler des conditions psychologiques, puisque les gardiens, les cadres, montaient les uns contre les autres, ceux qui ne travaillaient pas, ou qui ne voulaient pas travailler, ou qui ne travaillaient pas assez vite, étaient un peu mis comme bouc émissaire face aux autres. Alors, quand une personne ne pouvait plus, ou ne voulait plus travailler, oui, il ne disait rien. Le soir, à l'intérieur de la chambrée, c'était corrida. Alors, explique-nous cette corrida. Corrida, ils enlevaient tous les coins, tous les lits. On les foutait par terre avec les draps de l'époque, hein, et la couverture. Et on avait une demi-heure pour mettre le lit au carré. Le gardien de tour venait, contrôlait. Si c'était pas bon, hop, même s'il y avait un seul lit qui n'était pas bien fait, on redémontait tout et ça pouvait durer toute une nuit. Et tu dormais pas. Et tu dormais, et si tu arrives à dormir, bah tu dormais avec ta masse la journée. Et évidemment, celui qui avait provoqué cette corrida, eh ben, il n'avait rien du tout. Qu'est-ce qui lui arrivait? Ah oui, la première fois, bon, on passait l'éponge, la deuxième fois, on la visait, fais attention parce que ça va tomber sur la gueule. Et la troisième fois, ben, il avait droit à le coup de massue par tout le monde. Hein. Tout le monde lui tapait dessus. On lui foutait les couvertures sur la gueule et puis on tapait dedans. Pour éviter qu'il y ait des contusions et des traces. C'est arrivé plusieurs fois. Ouf là là. Moi, dans ma période, peut-être une dizaine de fois à peu près. Évidemment, le détenu qui prenait des coups, moralement, il devait être abattu là. Ah ben, il était abattu, ben, et il faisait tout le possible pour tailler la route. C'est très classique à n'importe quelle époque. C'est-à-dire que quoi? Le gars, il ne veut pas travailler, il se rebiffe, hein. Il nous met la garde à bout, il ne fait rien. Et nous, alors il nous fait compter les coups de masse. Parce que pas tout le monde travaille au même endroit. Donc, il y a 3-4, parce que c'est pas deux qui travaillent. Donc, il faut taper, s'il y a par exemple 1000 coups de masse, bon, il fera 2000, un exemple. D'accord. Par contre, en arrivant à la chambre, est obligé de m'offrir. Parce qu'ils nous disent, vous êtes avec lui, arrangez-vous avec lui. Vous montez contre lui. Après, ils m'ont fait. Je suis désolé, mais on était obligé de vous dire gentiment, c'est plus que tu le fasses. Et donc, c'est dommage. On était obligé de faire une correction à la place des quatre. C'était la loi. C'était la loi. Tes collègues nous ont parlé d'humiliations qui ont été subies. On sait qu'il y avait les insultes, parfois les parents étaient insultés, la famille était insultée. Tout le monde, toute ta famille passait à la passoire. À la passoire, aux insultes. Il y avait la nudité. Oui. Hein, on te présentait au rapport nu. C'est humiliant. Ben, c'est pas tellement conventionnel, comme dit. Alors, on nous a raconté aussi, Joachim et puis Daniel nous ont raconté qu'il y avait la corvée quartier, il fallait ramasser les mégots avec la bouche. Avec la bouche. Ça t'est arrivé aussi, ça? Non, j'ai pas ramassé que ça, j'ai ramassé de la merde de chien avec la bouche. Ils l'ont fait exprès. Mais ça, c'était surtout quand Loriot était en service, j'avais droit. Parce que lui, il avait la carte blanche pour me plier en quatre. Ouais. Il n'a jamais réussi. Il y a eu une tentative de réussite de ma part. J'ai dit, bon, j'arrête de faire le con et je me tiens au carré. Et ça ne m'a pas empêché de tailler la route à l'intérieur du camp. Ouais. Daniel nous a raconté qu'ils avaient parfois tellement soif, ils buvaient l'eau qu'il y avait dans les flaques d'eau. Ouais. Ça t'est arrivé aussi. Ouais.
il y avait un premier classe qui se nommait Crasé, qui, à l'intérieur de son béret vert, avait un câble électrique. Et il appelait ça le cahier de réclamation. Donc, quand monsieur avait bien picolé l'après-midi, il sortait son câble électrique et il nous frappait avec. Il nous faisait mettre au garde à vous et nous pissait dessus. Il nous insultait la journée entière, nous frappait toute la journée, sans arrêt. Il faisait mettre nu, à vider des lacrymes, ramasser des mégots avec la bouche, boire dans un trou d'eau quand il pleuvait, on buvait dans un trou d'eau comme un chien, on l'appelait l'eau. Vous avez parlé qu'on recevait des coups de Rangers en permanence, plus des coups de Rangers que des coups de poing. De toute façon, il n'y a pas de trace. Voilà. Tu confirmes? Oui. Alors, Coups de genoux aussi. Est-ce que tu peux nous parler des repas? Comment étaient pris les repas, le matin, le midi comme le soir? Comme le petit déjeuner d'ailleurs. Alors le matin, tu avais le petit quart de commande de café. Ouais. Ma période. C'était dedans, il y avait même, je suppose qu'il y avait du bromure. Ouais, ça, certainement. Que ce soit dans le café ou dans les aliments. Hein. Et le midi, on mangeait avec une gamelle, la gamelle de l'armée, ouais. Mettait 3-4 patates à l'intérieur, le morceau de pain, c'est un morceau de pain de combien le tronc d'une baguette, 5 cm ouais. À peu près, et un petit morceau de viande. Alors la première chose que tu allais chercher, bah, c'était le morceau de viande, quand il y était. Et Daniel nous a dit qu'il mangeait en pourrant. Oui, en piétinant, en piétinant, en sautant. Tout le temps. Tout le temps. Bah, chaque fois. Toute ma période, ça s'est passé comme ça. Le petit déjeuner, le repas de midi. Le matin, le midi et le soir. Ouais, donc t'en as la moitié qui tombait par terre ou. Quand ça tombait par terre, bah, t'allais le ramasser. T'allais le boire, t'allais le manger. Eh ben, disons. On bouffait la bouffe par terre. Est-ce que tu peux nous raconter ce que. Comment était organisé le dimanche? Le dimanche qui est un jour de repos normalement. Le dimanche, tu travaillais le matin. À midi, tu rentrais à l'intérieur. Enfin, tu faisais ta douche, tu rentrais à l'intérieur. Et tu avais le nettoyage du local. Enfin, oui. Du local où ça qu'on était, nous. Oui. Pas des cadres. Hein. Il y avait, je crois, une bande qu'il fallait cirer. Alors, il y avait une bande, les couleurs de la Légion qu'il fallait cirer. Avec les produits de la cire hein. Et avec des patins. Des patins oui. Et tu n'avais pas le droit de monter dessus sans que tu aies des patins. Enfin, quand tu allais dormir, il fallait éviter de marcher sur les couleurs. Il fallait que tu passes sur les côtés. Tu m'as expliqué qu'au bout d'un certain temps, tu quittais la baraque. Répression pour aller à la baraque ordinaire. Ouais. Donc on était puni à 3 mois de section répression, ouais. Où on était enfermé avec une porte, une grande grille enfermée tous les soirs. Et quand on avait terminé, si tout s'était bien passé pendant les 3 mois de section répression, on passait dans la section ordinaire. Alors là, on avait le droit de fumer. Moi, j'avais été employé comme jardinier à cette section d'ordinaire. Donc, je m'occupais du jardin, de tout ce qui était jardinage. Et c'est là que j'ai décidé de déserter. D'accord. Parce que c'était plus facile. C'était beaucoup plus facile puisqu'on était un peu plus libre que dans la section répression. D'accord. Tu peux me parler le dimanche, ce que vous faisiez, les courriers. Comment se passait le dimanche? Alors, le dimanche, on avait autorisation d'écrire. Mais toutes les lettres étaient relues. Toutes les lettres étaient relues. Car on devait mettre que ce qui devait leur plaire à eux. Alors, on va parler un petit peu des cadres maintenant, on va parler un petit peu plus profondément. Joachim, Daniel nous ont dit que 40 à 50% des cadres étaient de véritables sadiques, c'est presque la moitié, quoi. Moi, je dirais qu'il y a la moitié. La moitié, c'était des sadiques. Ok. C'était des gens, ça leur faisait plaisir de vous faire souffrir. Là, on dirait qu'ils godaient dessus. Ils prenaient leurs pieds. D'accord. Très grave, parce que sous l'ensemble des cadres qui nous gardent, si je vois, il y en a 4, que c'est vraiment des salifiés. 4 sur 10, 5 sur 10. Surtout l'après-midi. D'accord. Surtout quand ils viennent manger, ils viennent avec leur bouteille à la main, c'est horrible. Alors là, c'est vraiment le calvaire. Quand on va arriver ça, en plus, on connaît le calvaire.
ce qui sait. Tu viens gratter la main, ça est. Ça dépend de l'équipe où ils travaillent. Mais c'est là qu'ils étaient au coup de cassage, avec la Johnny, les pantalons, là, ils avaient le droit. Si Lucas avait sauvé ce là, ils avaient le droit. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'homosexualité là-dedans? Il y a beaucoup de choses à dire. Quand je parle de l'homosexualité, est-ce que tu penses qu'il y a eu des viols, des abus sexuels envers des détenus? Il y en a eu. Je suis passé même à la cassation, là, pour te dire. Par des cas dont je parle. Oui. Et en tête, tu avais Loré. Loriot. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Est-ce que tu as envie d'en parler devant la caméra? Bon, les années sont passées. Hein. Ouais. Mais c'est resté là, comment c'est resté gravé. Je pourrais jamais l'oublier. Hein. Ils t'ont entraîné à part, ça s'est pas passé dans la chambre. Ça s'est passé dans les chambres des commandés. Qui étaient en dehors du commandé. Dans la même baraque ou dans la baraque d'à côté? Non, dans la même baraque. Mais devant, dans les premières pièces qui, quand tu rentres à l'intérieur. Ça fait que les autres ne pouvaient pas entendre. Voilà. De toute façon, ils n'auraient rien pu faire. Il y avait beaucoup qui passaient à la casserole. Mais personne n'a voulu dire la vérité. Comment on a voulu en parler. Et là, c'était un viol, tabassé, violé, ou ils t'ont obligé d'être consentant? Obligation. T'es obligé. Et il valait mieux que tu sois consentant. Ah ben oui. Et tu penses que d'autres ont été violés ainsi? Oui. Ma grenelle, lui, c'était le chouchou de... Si c'était un giron, c'est sûr. Et c'était le chouchou de la section d'épreuve. Ça lui a permis peut-être de ne pas trop souffrir. Bah, il a souffert quand même. Hein. Mais disons que moins que les autres. Hein. Ok. Donc les abus sexuels, on peut dire qu'il y en a. Il y en a. Oui, alors il y avait c'est un caporal qui emmenait toujours le même disciplinaire un peu à part. Comme le soir il ouvrait, on était enfermé, il prenait cette personne, il l'emmenait avec lui. D'accord. Donc j'ignore ce qu'il faisait avec. Sur une dizaine de cas, il y avait 50% de ça. Le mot en temps, ça n'existe pas en temps, on ne parle pas de ça. Et puis, au fil du monde, ça ne se parle pas. Parce qu'on chuchote. On se chante avec la tête basse, parce qu'il ne faut pas que les cadres me voient et me demandent des lèvres. Que maintenant, il y aurait des actes sexuels, à ma connaissance, il y en a eu un. C'était un jeune légionnaire, on avait bien entendu, qui était homosexuel. D'accord. Donc, il était au service de ce sbire. Mais bon, le reste, c'est pas nous qui va se vanter, c'est le cas qu'on se vante, qu'il a été violé ou pas. D'accord. Mais que qu'il y en avait quelques-uns, oui, il voulait dire, mais il ne disait pas. On devinait. J'ai déserté de la section d'épreuve le fin août 1969. Donc, j'ai été repris sur le continent 3 mois après. Et ensuite, j'ai été radié de la Légion au mois de novembre 1970. On va aborder un sujet encore plus profond. C'est celui de la maltraitance et puis de certaines disparitions inexpliquées. Tu sais comme moi que à cette époque-là, ces années 60 et 70, il y avait beaucoup de déserteurs dans la Légion et certains disparus n'ont jamais reparu.
Alors, il y a ceux qui ont réussi leur désertion, qui ont réussi à prendre un bateau, voire un avion, rentrer sur le continent et puis repartir dans leur pays ou ailleurs. Il y en a d'autres. Ils sont jamais sortis de la Corse. Voilà. Est-ce que tu as vu, toi, des compagnons d'infortune qui étaient dans la même chambrée, qui étaient présents le matin au travail et qui avaient disparu l'après-midi ou le soir? La nuit. Il revenait plus. Le soir, il n'était plus là. Il est parti aller comme à l'infirmerie. Et tu l'as plus jamais revu? Jamais. Ça, c'est arrivé souvent, une fois, deux fois? Sans parler de la personne qui a été mutilée à l'intérieur, qui s'est mutilée à l'intérieur, trois fois à peu près. Sans compter celui-là. C'était pas des types qui étaient libérables? Non. Ah non, c'est du comment ils avaient à un mois de section d'épreuve. Et du jour au lendemain, on les a plus vus. Bah oui, soit le motif c'était ils se portaient pour aller à l'infirmerie, voilà, mais ils retournent jamais de l'infirmerie. C'est arrivé trois fois, peut-être même plus. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Les personnes qui ont disparu, c'était des mecs qui étaient assez costauds, beaucoup plus costauds que moi et beaucoup plus hauts que moi. Et c'est des mecs, même si tu leur foutais un flingue sous le nez, ils s'en foutaient. Donc il y avait derrière tout ça, il y avait une vengeance dans l'intérieur du camp des cadres pour essayer de le mater ou... Ouais, ce qu'ils ont fait avec eux, on sait pas. C'est un point d'interrogation. Je pense qu'on ne le saura jamais, mais tu sais qu'il y a quand même des enquêteurs qui ont reconnu qu'il y a eu plusieurs victimes. Il y a eu des victimes. Et je crois d'ailleurs que toi, tu as vu un type mourir, un suicide. Ouais. Ouais. Tu peux nous raconter C'est une personne qui était à côté de moi, les cellules du frigidaire, celle qui était derrière notre chambrée. Alors c'est... Et c'était la période entre février et mars. Et il y avait une personne à côté de ma cellule et à côté de celle de l'autre personne qui était avec moi. On était au total trois. Lui, il se plaignait, il dit « Moi, j'en ai marre, je veux me suicider, tout ça, et ainsi de suite. » Parce qu'il regarde, le seul moyen, quand t'en finisses, t'as rien, tu peux pas sortir dehors, tu casses le morceau de gamate, le bord de la voiture, et tu l'avales. Et lui, trois jours, souffrance, hémorragie, et un matin, le mec, il était raide. C'est-à-dire... Il a été donc... toi, tu le savais, mais les gardiens aussi savaient qu'il était malade pendant trois jours. Oui. Aucun soin. Et non seulement ça, ils le savaient. C'est que... ils allaient sur lui et lui foutaient des coups de rangers. À savoir où ça qu'il le foutait, les coups de rangers. Nous, on entendait les coups, mais le mec, il était passé à la casserole pratiquement tous les jours. Pendant les trois jours que ça a suivi, quand il a ingurgité le morceau de fer. Il a fini par en décéder. Il a fini par une hémorragie interne et il est mort à l'intérieur. Parce que le matin, quand nous, on l'a remis droit, il était frais comme un garçon, comme un glaçon. Et le responsable, je me souviens plus comment il s'appelait, c'était un caporal ou caporal-chef, il a dit, il est encore vivant, on va l'apporter à l'infirmerie. Mais en réalité, il était déjà mort, parce qu'il était froid. Dans les cellules, vous étiez hiver comme été, vous étiez en slip? Non, en à poil. À poil. À poil. En haut comme en bas, dans le frigidaire l'hiver, et l'été c'était sous le baraquement des sous-officiers, des cages. J'ai des forts doutes qu'il y a eu des morts à la SE le temps que j'y étais. Alors j'ai vu un gars qui sont sortis justement des cellules qui se trouvaient en dessous de la baraque philo de la section ordinaire. Ils l'ont fait sortir, ils lui avaient mis un bastin sur l'épaule. Ils lui ont fait chanter la Marseillaise et les cadres lui tapaient dessus à coups de rangers. Et j'ai vu un moment où la boîte crânienne était un peu ouverte et le sang gisait de cette boîte crânienne.
Et ensuite, ils nous ont fait partir et je ne sais pas ce qui est devenu cette solitude. Il y a eu aussi un disciplinaire qui a déserté, ils l'ont rattrapé et il était sur la place d'armes, il lui avait mis deux sacs de 50 kg sur le ventre. 50 kg de ciment, deux sacs de 50 kg de ciment sur le ventre. Donc ça s'est passé le soir et le lendemain matin il n'était plus là. Alors j'ai vu un gars attaché au poteau, je l'ai vu 24 heures attaché au poteau et je ne l'ai jamais revu. J'ai beaucoup de doutes sur ce qui s'est passé par la suite. Est-ce que tu penses suite à l'enquête qu'il y a eu, est-ce que tu penses qu'ils auraient pu enterrer effectivement des déserteurs ou des types qui ne leur convenaient plus dans les environs du maquis de Saint-Jean? Ah oui. Parce que tu sais que Daniel a retrouvé plusieurs fois des outils. Voilà, ça, ben je voulais en parler de ça. Nous, le soir, on avait toujours les outils. Et il y avait des périodes, quand il y avait une personne qui était considérée hospitalisée, que le lendemain, on retrouvait des outils sales. Des outils sales. Ouais. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Ça, c'est quelque chose que tu dis sincèrement. Ah oui, oui. Ah oui. c'est ce qu'on pense tous. Hein. On voit tout. Et puis, quand j'y allais amener mon bidon plein de restes de la soirée de la veille, j'y allais vers la bergerie. Il y a un moment, il y avait de la neige. Qu'est-ce que je vois? Je vois deux places de deux personnes qui venaient du côté des outils et qui allaient vers et qui dépassaient la bergerie. Maintenant, voilà, de retour, je vois ensuite les pelles, enfin les outils, tout ça. C'est pas le punis qui vont faire ça la nuit. Ça. Avec le recul, je vois qu'une chose, c'est ça a été déterré pour enterrer. Ou enlever, ou... Pour moi, c'est déterré pour enterrer. D'accord. Je sais pas pourquoi. Ça peut être une piste sur les disparitions expliquées. Des disparitions, oui, c'est ça. D'accord. Mais je ne peux pas confirmer ça. Qu'est-ce que tu voudrais dire aujourd'hui à un jeune légionnaire de la Légion moderne, sur ce temps-là, sur ce passé-là? Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Évite de déserter. Bon, les demandes ont changé. Hein. C'est une période. Hein. C'est une période... ça a été une période que la Légion a créé ce camp, ce putain de camp, parce qu'il n'y a pas d'autre mot à dire. Hein. Et c'est un genre d'hypocrisie. Ils ont créé une hypocrisie. On a caché la création de ce camp. Tu avais des personnes qui étaient aux alentours de la SE, la section d'épreuve, qui savaient que dans le camp, il se passait quelque chose, mais personne ne disait, on a voulu dire quelque chose. Tout le monde a préféré ce terme. Qu'est-ce que tu aurais à dire aujourd'hui à un jeune légionnaire de la nouvelle génération? Qu'est-ce que tu as gardé de ce passage-là? Aux jeunes légionnaires de cette génération, je ne peux rien dire, pour simple raison, c'est qu'ils ne peuvent pas connaître cette chose-là. Mais je leur dis que c'était passé. Je leur dis que c'était passé, mais je dis bien que la Légion, c'est une chose qui est plus beau au monde. Il ne faut pas en vouloir à la Légion parce qu'elle n'est pas pour rien d'autre. Mais c'est calme, c'est sadique. Sadique. Dieu nous a pris à nous. Nous voulons être de beaux soldats. Alors,
Aujourd'hui, on vous engueule, ils vont même en prison, eux. Mais voilà. Mais si vous avez connu la Légion, c'était bien parce que tout ce qu'ils faisaient faire physique, c'est rien. Ça, j'approuve encore. Tu veux mettre quelque part, il le fait, ce n'est pas capable, il ne le fait pas. Moi, pour monter ma corde, je n'y arrivais pas. Donc, il m'a dit la gamelle, elle a mangé là-haut. Tant que je ne montais pas, je ne mangeais pas la gamelle. Ce n'est pas pour ça que je suis mort. Je n'en veux pas la Légion étrangère, absolument pas. Comme je dis toujours, légionnaire un jour, légionnaire toujours. À qui j'en veux, c'est à tous les cadres qui nous ont frappés pendant des... Est-ce que parmi les co-détenus, je sais que vous ne pouviez pas parler les uns des autres, est-ce que tu penses qu'il y en a qui l'ont vraiment mérité, ça, et d'autres qui étaient complètement innocents? Sur la quantité, à l'époque que j'étais, t'avais 95%, c'était pour désertion. D'accord. C'était pas justifié non plus. Ça méritait pas de faire tout. Et les personnes qui ont été condamnées à 3 mois, à l'intérieur, ils n'avaient pas à suivre le rendement. Donc ils désertaient à l'intérieur, ils faisaient des tentatives de désertion. Voilà. Et c'est pour ça que de 3 mois, c'est sauté à 6 mois. Augmenter la punition de l'intérieur. Au bagne le sache. D'accord. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, les cadres, ils se retrouvaient là comme des électrons libres, ils se permettaient tout. Et ça, c'est une grave erreur aussi. Ils auraient dû être mieux surveillés, mieux encadrés eux-mêmes. Oui, c'est sûr. Surtout, tu avais un responsable, le capitaine... Aubertin, c'était un lieutenant à l'époque. Qui est devenu capitaine. Et lui... les ordres, il n'y avait pas que les sergents ou les caporaux-chefs qui donnaient l'ordre. L'ordre, elle était au-dessus de commande d'eux. Tu détruis le mec parce que c'est une tête dure, tête brûlée. Et moi, j'en faisais partie et j'ai morflé. Et ça a été 8 mois et 29 jours de travaux de commande. Enfin, moi, je les appelle travaux forcés. Oui, c'est des travaux forcés. C'est des travaux forcés.